Suzy Wolf dit que le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 a affecté les fans dans le sport auto. Ah bon? En quoi? L'une de ces choses, selon elle, est l'énorme intérêt entourant le drame du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, donc entre Max et Lewis. De ma propre perception, le monde a changé, MeToo est arrivé, il y avait ce réel sentiment d'autonomisation. Ça a conduit à d'énormes investissements dans le sport auto. Et puis le troisième sujet est d'énormes moments dramatiques comme Abu Dhabi. Ça a créé vraiment une base de fans et de jeunes athlètes féminines qui ont fait comprendre le sport. D'accord, nous devons nous connecter avec ça. Nous avions fait l'appel à ce sujet ensemble, je ne me voyais pas assumer ce rôle, mais c'est une opportunité unique dans la vie. L'arrivée d'Abu Dhabi 2021 était bien sûr plus dramatique, car elle a vu Hamilton perdre le titre injustement. Suzy a été l'une des premières personnes à dénoncer publiquement l'injustice de ce qui s'est passé dans un article sur les réseaux sociaux, dans lequel elle a écrit que la manière dont Lewis a été volé l'a laissé dans une totale incrédulité. Oui, mais alors, quel rapport avec les femmes dans le sport auto? Là, je vois pas trop le rapport, hein, perso. Là, va falloir m'expliquer. Bon, bref. Alors, oui, c'est vrai que Lewis a été volé, ça. Personne ne dira le contraire, si, sauf les fans de Max, qui vous diront qu'il méritait sur l'ensemble de la saison son titre. Bref, vaste débat. Je vous laisse commenter.